Yo tout le monde, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à partager et à commenter, ça fera extrêmement plaisir. Commençons la partie vidéo, à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Uncraftable, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Minecraft, l'épisode 2 de la série Défi Survie. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour faire quelques petits défis, ou alors faire un tout petit peu continuer la petite survie du début quand même. Du coup, j'espère que, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et dans les commentaires de me donner des défis. Aujourd'hui, nous allons faire des défis. Du coup, je vais vous les présenter, les défis que je vais vous faire. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons Super Mix qui nous dit « Tu trouves du diamant ». Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, j'ai choisi ce commentaire, donc du coup, on va faire ce défi. Bon, bah les amis, écoutez, on va commencer. Du coup, nous avons fait la petite mine par là, hier. Du coup, on va miner ici, évidemment, par là. Moi, j'ai envie de dire par là, ça me sonne bien. Du coup, on va un peu miner. Du coup, en tout cas, j'espère que vous plaira. Parce que moi, franchement, moi perso, elle me plaît vraiment. Donc, on va essayer de trouver du diamant, comme il a dit. Cette survie d'ici, j'ai un truc à vous dire avant. Je ne vous l'ai pas dit dans le dernier épisode, mais ne dites pas, s'il vous plaît, dans les commentaires, plagiat Steelers. Parce que si vous connaissez Steelers, vous allez dire, oh, mais il a fait des défis Minecraft, il a copié Steelers. Non, je n'ai pas copié Steelers. C'est juste moi qui m'ai dit. Dans mon dernier live, je parlais un peu de défis. Je me suis dit pourquoi pas commencer une série sur Pocket avec des défis. Moi, je me disais que ce serait pas mal. Écoutez. Et ben, j'espère que cette série vous plaira. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de pouces bleus dans la dernière vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir. C'est sympa. Et nous commençons tout de suite avec du fait-faire. Du fait-faire des familles. Du coup, on va le récupérer sans hésiter. Et là, on en a plein, j'ai plein. On a plein. Oh oui. Plein, mais plein de chez plein. Il en manque pas, hein, quoi. Plein. Bon, mais écoutez, on a de la chance déjà. On a pas une table de craft. Tant pis, on remontera quand on aura trouvé des diamants. Hop là. Voilà, on a le charbon, C'est bon signe si on va avoir des torches. Maximum de torches et pour faire chauffer les trucs dans le four, évidemment. Ça fait toujours plaisir. En plus, on peut récupérer de l'XP, on est niveau 2. C'est super cool. Du coup, désolé si l'épisode va être un tout petit peu ennuyeux parce que la mine, c'est pas le meilleur truc dans la survie. Je le dis et vous allez me dire que c'est vrai en plus. J'en suis sûr parce que la mine, c'est pas vraiment la chose la meilleure de la survie. Même si dans Minecraft on entend mine. Minecraft, ouais. Bon, c'est pas le plus intéressant comme défi, mais c'est un défi de chance, en fait. Du coup, je veux bien voir si j'ai de la chance ou alors si j'ai de la malchance. Mais bon, du diams, ça reste quand même très très rare, du coup, si j'en trouve pas. Attendez. J'ai cru voir du diam, je me suis dit, what? Non, j'ai rêvé. Les mecs, vous pouvez dire Tom le rêveur dans les commentaires. Bon, je pense que je ferai une petite ellipse tant que je me ferai des pioches en pierre parce que là, regardez l'état de ma pioche quand même. Hop là. Il ne reste plus que 3 torches en plus. Il faudra vraiment que je me prenne des sticks. Hein. Les sticks, c'est ce qui me manque le plus. Le bois, c'est ce qui me manque le plus.
C'est le truc qui me manque. Boire, hein, franchement. Alors, petit diamant, montre-toi. Petit diamant, montre-toi. Voilà, elle est cassée. Hop là. On se met la petite dernière torche là. Bon, petite ellipse, donc je me prends du. Et les mecs là. Je vous avais dit que j'étais en normal. Allez, meurs. Les bombes d'or. Hop là. Parce que là, j'étais en train de dormir. Et là, ça me dit il y a des monstres à proximité. Machin, machin. Donc. Et maintenant, on peut miner avec une pioche en fer. Parce que Tom s'est fait fondre son fer. Et il a pu se faire une épée. Et une pioche. Du coup, on va pouvoir miner beaucoup plus vite. Et on va pouvoir miner le diamant. Et avec ce diamant, on va pouvoir réaliser ce défi. Ce défi, ce défi. Le premier défi de la série réussi, ce serait bien. Dans le deuxième épisode. Bon, en gros, c'est un peu le premier, parce que dans le premier épisode, tu fais pas tout de suite les défis. Personne t'a dit les défis. Et en plus, de toute façon, il faut que tu fasses ta survie, quoi. Au début, il faut que tu fasses ta survie, mettant ta maison et tout. T'as pas vraiment le temps de réaliser des défis. À part si un loup t'a dit fais une maison. Lol. On met petite torche. Tiens, on va miner. Bon, je vais peut-être faire une ellipse, tant que je trouve quelque chose d'intéressant. En fait, les mecs, je fais une ellipse, je casse un bloc, et là, regardez ce que je vois, bah, du fer, évidemment, hein. Écoutez, on a de la redstone derrière, en plus. Donc, écoutez, pourquoi pas. Écoutez, la redstone, c'est pas mal, ça peut servir. Le fer, c'est super. Ça rime, en plus. Le fer, c'est super. Désolé si c'est bête ce que j'ai dit là. Bon, ellipse. Ah bon, attendez. On a la bedrock. Ah non. Oh non, moi je croyais que c'était bien comme mine. Je me disais trop. En fait, quand tu trouves de la redstone, c'est que t'es pas loin de la bedrock. Ben, j'aurais dû m'en douter que j'étais pas loin de la bedrock. En fait. Tom est bête. Tom est bête. Tom est bête. Purée d'aigle, t'es goûté. Oh, purée, bon. Ellipse, attends que je vais miner par là, hein, écoutez. Peut-être qu'il y aura des. Et bim, qu'est-ce que tu vas faire, Super Mix? J'ai trouvé du diamant sans minant. J'étais à la pioche en pierre, car. Déjà, on va récolter le diamant. J'étais à la pioche en pierre, car déjà. Ma pioche en fer, elle est bientôt cassée, vous voyez. Du coup, je me suis dit. Bon, je vais miner à la pioche en pierre. Du coup, on va. Hop là. Et bah, du coup, ton défi, easy. Du coup, on l'a trouvé. On l'a trouvé ton défi. Trouver du diamant. Et ben, ton diamant, il est là. 4 diamants, c'est pas beaucoup, mais. Mais écoutez, c'est bien, ça va, c'est bien. C'est pas rien, c'est du diamant. Du coup, bah, défi réalisé, hein, en tout cas, j'ai envie de dire. Du coup, bah. Vous pouvez dire GG Tom dans les commentaires qui a trouvé le diamant. Mais du coup, j'ai un peu miné dans tous les sens. Écoutez, j'ai miné devant et du coup, je commençais à miner de ce côté. Et du coup, bah, comme par hasard, je mine de la redstone, de la bedrock, machin. J'ai un moment, je me dis, bon, je vais miner du côté droite et là, bah, diamant. Et bah, tout simplement. Du coup, les techniques de Tomcraft, c'est d'aller à droite. Comme le GB dans les labyrinthes, il dit, je dois toujours aller à droite. Oula. Ah oui, là. Je suis emboulé. On met les pains en main parce que ça peut être la nuit. Non, non, c'est la journée, par contre, il pleut. Pas cool, par contre, ça. Hop là, j'ai rajouté quelques fours hein, dans la maison pour que voilà. Bah, par contre, on peut faire des bottes en diams et on peut se faire une épée en diams, une pioche en diams.
Dans les commentaires, dites-moi ce que je prends. En fait, j'hésite entre la pioche et l'épée, en fait. Souvent, c'est ça, en fait. Parce que les trois trucs sont bien. Ou la hache. Parce que la hache, elle permet de couper le bois plus vite et c'est super utile. L'épée, bois, parce qu'il n'y a jamais de monstres sur l'île, donc bof. La pioche, elle permettrait de miner plus vite. Et les bottes permettraient de débuter le podium. Moi, j'hésite entre les... Bah, vous me direz dans les commentaires, en tout cas. J'ai 4 diamants, donc faut pas les user. Les user. Par contre, là, on est en manque de bouffe critique. Du coup, je vous dis, on va faire chauffer de la nourriture. C'est pas dans les coffres. Si, il y en a. Il y a de la viande de mouton. Hop là, 7. 7. On a du charbon, oui. On fait chauffer avec le charbon. Hop là, non, pas le charbon là. Le charbon ici et la viande de mouton là. Et bah écoutez, bah le défi est réalisé, donc écoute, Super Mick, j'ai réalisé ton défi. Moi je penserais que je pourrais pas le faire parce qu'il est assez. Moi je me disais j'arriverais pas, mais là je mine et comme par hasard je tombe sur du diamant. Du coup je me dis ah. Du coup, on a deux moutons cuits, ça va faire plaisir, ça. Pouvoir manger. Allez, plus qu'un. Plaisir, en tout cas. Voilà. C'est bon, on récupère. Et bien sûr, j'entends un zombie qui tape à la porte. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Tiens, un zombie. Oui, il est né pas en fer. Oui. C'est le monde. Il drop n'est pas en fer. J'aurais dû garder mon fer, quoi. Bon, pour le prochain épisode, de toute façon, on va faire chauffer le fer. On va faire chauffer du bois, attends. Là, on récupère ça. On met du charbon dans le four. Là. Hop là. Et comme ça, on aura notre fer dans le prochain épisode. À dormir tout de suite. Du coup, premier défi réalisé. Dans cette série, nous ferons tous les... un maximum de défis. Peut-être pas qu'on les fera tous. Mais on va les faire. Donc n'hésitez pas à lâcher de nouveaux défis dans les commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à partager et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis en créatif, mais c'est juste pour vous, pour faire la fin de vidéo. N'hésitez pas, je cheat pas, regardez, je cheat pas, pourquoi je cheaterais, c'est juste nul, en fait, les mecs qui cheatent dans les séries survie, c'est bête, c'est débile. Ça casse carrément les séries survie, vous pourrez voir dans le coffre, je vous montre, enfin, je vais vous montrer, regardez. Si je regarde dans mon coffre, attendez, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Regardez, il n'y a rien du tout dans mon inventaire. Non plus, il n'y a rien du tout. J'ai pas du tout fait de cheat. C'est juste pour la fin de vidéo que je vous fais un petit vol comme ça. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner, à partager et à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les 150 abonnés. C'est juste épique. Vous êtes énorme. Quand j'ai eu les 100, je me suis dit, what, c'est quoi ce truc de malade? Mais là, 150 abonnés de plus, c'est juste épique. Alors là, si j'ai encore 50 personnes, les 200, ce serait juste épique. Franchement, là, je serais super fier de vous et de moi, surtout. Du coup, bye!